Bonjour VOD, on est retour en RP, je suis à Valentine, j'ai croisé Red Duke. Je vais lui montrer, alors je l'ai faite de tête ma tenue. Du coup on va voir ce qu'il en pense. Yeah. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis fendu au troupeau. Indétectable. Oh, on voit êtes... pas la fissure. Vous êtes le... Bonsoir. Bonne soirée Annie. Bonsoir. Ah, comment ça va? Voilà. Pas ça va, ça va. Alors je l'ai faite de tête. Oh, toujours. En étant malade. Toujours le boulot aussi. Ah, il est très pareil. Eh ouais. Rien de nouveau. Ouais, c'est vrai que c'est... Oh. Y a les... Oui. Pas grand chose. Alors, y a rien qui est exactement ça. À part la question. Oui, je pense. Mais je reconnaîtrais. Ah, c'est gentil. Comment vous trouvez Daphné? Votre tenue ouais, bah ouais. Je m'appellerai. Ça se passe bien là-bas, toujours? Oui. Oui, j'aime bien. C'est joli. Ah, ça m'étonne, tiens. Ouais, ça va bien. C'est gentil. Bah, c'est original, quoi. C'est le combattant. Voilà. Pacifique. Mais parce qu'il a bien. Il fait quoi, lui? Il devient quoi? Il travaille dans la même tenue. Bah, c'est pas la même, parce que bon, rayon femme, y'a pas tout à fait les mêmes. Ok, d'accord. C'était vendredi à Strawberry, il y avait une soirée déguisée. Une représentation, il m'a dit. En vrai, c'est pas mal, hein. Ah, c'est gentil. J'étais pas là, mais. Ah, il joue de la guitare avec Ouais. Puis il fait des guillemets. Vous avez chasseuse de prime, quoi. Oh, bah, oui, c'est vrai. Voilà, c'est juste ça, ouais. Ah, je suis content. C'est pour ça que j'ai impressionné tout le monde. Il est là de bien se plaire à faire ça, donc tant mieux. En plus, il a pas mal aidé. Il m'a dit j'ai merci, c'est gentil. Les gens, ils m'ont donné plein d'argent et tout. Il y avait pas si mal. Il était content. Oh! Oui, je m'en rappelle. Pour lui, qu'il est pas. Le moment où Pepito venait de mourir, c'était. Ah, putain, oui. Voilà. Ah, mais toujours cette histoire de timing, hein. C'est terrible. Ah, bah, oui, le timing était incroyable. Puis, on débarque très fiers de notre blague, et puis là, on voit Rose en train de pleurer parce que Pepito vient mourir. Ah non, mais c'est incroyable à chaque fois. C'est un truc où vraiment j'ai l'air con. Et là, pour une fois, je vais prendre soin de toi, Annie. Ouais, merci, bah toi aussi. Et puis la dernière fois, c'était avec Pepito, fallait pas non plus. Qu'est-ce qu'il y avait avec Pepito? Bah vous étiez déguisé en pacifique, vous m'aviez dit. Eh bah c'était ça. Ah bah, ça oui. Dont on parle. Ah oui, pardon. Ah mais lui, je savais pas qu'il était en vous par contre. Ah bah super, on arrive à inverser. Ah d'accord, je pensais pas que vous aviez inversé. C'est un peu étrange comme ça. Oui. Je viens de comprendre. Et non, moi je l'avais pas non plus, j'avoue. C'était pas prévu ça. C'était très technique, Oui, c'est technique. Mais D'accord, je savais pas qu'il était déguisé aussi en vous. Oui. Oh. Et ouais, on est arrivé comme des cons. Hein. Alors que c'était pas du tout l'ambiance. Oui, non, c'était vraiment pas l'ambiance. En plus, ouais. On est arrivé sans rien dire en mode eh. De quoi donc la déconnade, non ou pas? Quand. On va se marrer, les potes. Déguisé en pacifique et pacifique en ré et que Pepito venait de mourir. Ah ouais, il y avait une super bonne ambiance. Ah ouais. Ah, on a un sens du timing. Ah, mais après. C'était énorme. Les gens, ils arrêtent pas de canner. Ah oui. Bah et aussi, quelle idée. Quelle idée. Regardez Miss Duval, 127 ans, elle est toujours en forme. à peu près à la louche, ah. Quoi. M'a achevé. M'a achevé. Vous avez mangé Miss Duval. Merci. Au secours. Attends, non, il faut vraiment que je vous. Non. Ah non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pas le coup de pied dans le cou, non. Ni le couteau. Non. Oh bah ça vous fait un petit côté magicienne. Et quand c'est moi, on gueule. Ah, allez, et... Ouais, faut... J'avais pas mon côté. Dans la boue. Oh. Aïe, non. T'épaisse, j'ai pris un bain, putain. Il est où, Isaiah? Elle m'a vengé. Je sais pas, il était pas loin du cabinet. Je crois qu'il est au terrain. Bon, votre vengeance m'a coûté $1, quoi. C'est vrai. Bah oui, je venais de prendre un verre. Si il y a une chose que j'évite, je vais aller prendre un verre aussi, parce que là... Ça m'a coûté $1, je suis dégoûté. J'ai jamais fait de feu de campagne. Il doit Bah moi, je vais aller dans la rivière. Oh putain, non. Oui, sinon... Hein. Oh non, ah, putain, bah maintenant. Ah. Mais c'est juste à côté. Ouais, bah je vais peut-être l'accompagner au cas où. Ouais, vas-y vite, parce que... Oui, ah, c'est Duval. Là, on a la médecin Duval. Mais il n'y en a que deux. Moi, je vais prendre un bain parce que la boue de Valentine. Non, merci. Deux
secondes après qu'on sorte, on est dans le même état. Oui, hein. Oui, c'est vrai, il y a des chances. Autant prendre le bain quand on arrive dans une autre ville. Ouais. Ici, y'a rien, t'inquiète pas. Tu veux du chocolat, et bah t'as qu'à t'en acheter. J'entends des gens que j'avais jamais entendus. Bah là, c'est les Norsemen, ils sont pas souvent, pour le coup. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Je l'ai jamais vu ici. Bah, non, en général. Mais je retourne sur Armadillo, faut que je ramène El Spectacular. Ah, il y a encore oui. Bonjour. Bah, il était à la morgue là, et Esther s'est occupée de lui, je viens de le récupérer. Donc je le ramène là-bas, je vais le mettre. Enfin, je vais m'occuper de lui quoi. Ok. Attendez, j'ai mis juste un Billy, sinon je vais venir avec toi. Et par contre, faut que je trouve des Faritas ou je sais pas quoi, il voulait être dans son cercueil, il voulait avoir à manger. Ah mais c'est El Spectacular, t'es mort. Saloon, non. Ah mais oui, non, c'est El Spectacular, ouais. Oh, je savais pas. Ouais. Ah oui, bah il a... Ah bah c'est pour ça qu'il m'envoie plus de télégramme. Ah oui. Bah oui, il y a peut-être un rapport, oui. Oui. Il a gagné son procès. Vas-y. Il a été pendu. Ça me... Ah, oui, d'accord. Bah ça m'étonne pas beaucoup, hein. Je dois avouer que oui. N'arrêtez pas de vouloir me contacter pour une affaire un peu bizarre. Du coup, bon, bah, je disais d'accord. Bah, ou... Non, après, j'ai eu des infos. Il a pas été pendu... C'était pas les mêmes chefs d'accusation que pour son procès. Ah, d'autres choses un peu plus obscures. Il n'y a pas eu de procès pour les autres chefs d'accusation pour lesquels il a été pendu. Parce que c'était très très grave ce qu'il a fait. Oh, vous avez des infos ? Je crois que c'est de quoi tu veux parler. Bah, il a kidnappé les mauvaises personnes, dirons-nous, quoi. Ah. Ah oui, ça lui ressemble bien, ça. Des gens de haut rang. De haut rang ? Oui, il vient d'Armadillo. C'est à côté d'Alexandrie. Merci. J'attendais les gens dehors. Pour une fois que j'ai la place, je suis. Bah. Mais. Putain, ouais. J'ai l'impression qu'on se salit à vue d'œil, rien qui a pas bougé. Oui, non, mais c'est. On se fait attaquer par de la boue, hein, littéralement. Je crois que les gens, quand ils passent, ils nous projettent des conneries. Ah oui, ça c'est possible. Je sais pas comment ils font les Norse Trappers parce qu'ils sont tout en blanc et ils restent propres. Ah oui. Je sais pas, ils sont trop forts. Après bon, ils vont moins dans la boue aussi. Ils se jettent moins au sol. Ouais, il y a un petit lien. Oui, moi c'est. Alors moi je me suis pas jeté au sol, on m'a jeté au sol. C'est vrai. Je venais de prendre un bain, je suis dégoûté. $1 de perdu. Oh, une petite tache dans la rivière là. Oui, c'est vrai. Bain de minuit. Du coup, c'est pas une zone noire, donc je suis libre. Allez, direction Armadillo. Vous pouvez monter dans la non. Non, y a pas. Bah non, il y a Spectaculaire du coup. Oui, oui, il y a pas trop de. Il prend de la place, putain. Bah oui, lui, c'est pas. Bah, c'était un gros bébé. Ah bah c'était. C'était Monsieur Duc, mais un plus épais, plus grand, je crois. Plus épais, c'est sûr. La même taille, je crois. Ah bon? Ah je crois. Hein. Ah dans ma tête il était plus petit mais. Je crois pas que dans l'état il y a des gens plus grands. Il était plus trapu. Il était très très trapu ouais. Et ouais mais très souvent trapu. Des fois suivant comment on s'habille des fois on a l'impression qu'il va être plus grand ou plus petit. C'est vrai. Ouais ouais. Puis, ça s'appelle des talons. Les talons et les bottes et pas les bottes. C'est vrai que ça change un peu ouais. Ouais bah. On fait quoi se rejoindre sur Armadillo? Ouais. Vous allez où, Miss Duane? Ah bah moi j'allais voir un petit peu s'il y avait du monde ce soir, parce que mon associé Prosper n'est pas là, je sais pas s'il va venir, j'attends un petit peu des nouvelles. Ah vous voulez venir ce soir, Madio? Bon, si ça vous dérange pas, oui. Bah, j'ai juste envoyé le télégramme avant, très bien. Vas-y, oui. On vous rejoint sur Armadillo. Je vais peut-être faire aussi. C'est là-bas les télégrammes? J'ai jamais ici. Rien. Ah non mais les télégrammes sont dans une autre ville ici. Il y a un gars qui est censé m'envoyer pour de la viande là, mais... Tomahawk, il m'a pris par la gorge avec un couteau. Oui, peut-être qu'aujourd'hui il dort. Mais ça mais hier, j'ai vendu quasiment toute ma viande à Albert. Ah, il s'est marié, j'ai vu, mais j'étais pas disponible du tout. Non, son mariage, c'est... ils ont déplacé. Ouais, c'est... je sais plus quand... demain. Oh. Je savais pas si vous restiez là-bas ou pas. Non, je vais voir si mes télégrammes.
bah du coup, vous faites quoi à part essayer de négocier le théâtre? On essayait de voir pour aussi faire un petit jeu à côté du théâtre, mais pareil, on a des petits problèmes techniques. À chaque fois qu'on essaie d'organiser quelque chose avec ce prospect, il y a toujours des difficultés. Ouais. Donc bon, on commence à... Oui, on voulait faire un jeu qu'on appelle un loup-garou. Et je pense qu'on va pouvoir bientôt le faire. Et je vous inviterai, tiens, si vous voulez essayer. On va faire une petite soirée test. On voudrait voir si ça fonctionne. Ouais, et on voudrait organiser plus de choses comme ça, plutôt que du simple spectacle. Attendez. Oula, je parle pas très fort. Oui. Si, non, c'est pas ça. Des fois, j'ai des débuts de mal de tête. Ah, vous les voyez, vous les sentez venir? Ça, c'est pratique. Bonjour, Amadio. Mais bon. Et puis on essaie de trouver un petit peu, voilà, moins de se faire des sous, de trouver des petits associés, tout ça. Ouais. Mais bon, on a un petit peu fait des dossiers, le gouvernement était pas très chaud. Ah. Dommage. Donc bon, maintenant on attend de voir un petit peu. Ouais. À force. Mais le théâtre, c'est juste en stand-by. Pas trop ce... Faut pas trop s'exciter pour les projets ici, c'est sûr. Oui, c'est vrai, ça on me l'a dit plusieurs fois, oui. Attendez, je connais le gars. Bonjour. Ah, Marcel, ça va? Ah, Marcel. Tu vas me passer les télégrammes? Ah, bah là, j'ai rien. Comme il est détendu, Marcel. Évidemment. Ah, j'ai dit que j'arrivais sur Blackwater, j'y ai pas été au final. Hop là. Hop. Moi non plus, c'est tout. Et là, qu'est-ce que vous allez faire de boire, Madio? Ah oui, bah ramener. Bon, je sais pas. Ramener le spectaculaire. Hop là. Je vais passer là. Wouah! Je vous avoue que moi, j'y vais pas pour voir le. le corps arriver. Ah oui, alors je me. J'ai peut-être moins besoin de vous recueillir cette fois. Oh, spectaculaire? Oui, non. En plus, je pense qu'il voulait un peu. Si ça se reproduit. Pardon. Il voulait me payer une danse à un moment. Parce que je lui avais fait un petit prank télégramme. Oui, c'est vrai! Je me rappelle bien de cette histoire. Oui. Oui, elle m'avait raconté Pearl. Mais bon, bah. Vous voulez monter? Allez. Vous l'aviez recroisé depuis? On est tous en noir, tout en noir. C'est vrai que je ne me suis pas changé. Là, je vous dis direct, si on nous croise, ça jase. Ah, ils aiment pas ça? Ah non, si, c'est pas ça, mais ils vont dire que je suis avec quelqu'un, quoi. Ah oui! Non, mais pareil et tout. J'avais pas pensé à ça, j'ai à me changer. Bien grave. Ça y est, je suis avec Daphné, vous savez. Oui, j'ai su ça. Mais vu que je vous voyais beaucoup, je vous voyais encore avec elle, je me suis dit, bah tiens, peut-être que ça s'est rabiboché. Ah, non, hein. Pas spécialement. Ah, soir, d'accord. Ça, non, c'est cher. D'accord. Ok, on fait ça. Ah oui. Eh hey! Mais du coup, ça se passe bien malgré tout? Avec Daphné? Oui. Parce que bon. Oui, ça. Ça va pas être une grosse ambiance quand même. Non, ça va. Bah écoutez, on a. C'est trompé tous les deux, je pense. Voilà. Bon. Pas grand chose. Ça fait un peu mal sur le coup. Puis après, bah c'est. Ouais, j'imagine, oui. On n'a pas été ensemble 6 ans non plus, quoi. Oui, c'est sûr, enfin bon, ici tout va tellement vite. Oui, non. Finalement. Bon. Ça fait quelque chose quand même, mais bon. Après, j'ai un certain âge, je sais que des amourettes et des trucs, des fois ça marche pas, ça passe, et puis voilà. Et le oui, temps, c'est sûr que. Guéri. Sûrement pas la première fois. Bah, en vrai, pas tant que ça, parce que moi j'ai perdu ma femme assez tôt et j'ai plutôt. Ah, vous êtes veuf. J'ai trop pensé à ça. Ouais, mais ça fait 30 ans. Ah oui, effectivement. Et Daphné, c'était la première après en 30 ans. Ah oui, vous aviez jamais reconnu quelque chose de bah, sérieux. J'ai descendu de ma montagne après, je vous avoue. Vous avez préféré rester en ermite. Oula. Ouais. Hugues Guerrier. Bonjour. Être qui? On dirait un peu le voir. Être Radio. Armadio. Et Denis Duval. De toute façon, il n'y a plus rien à surveiller. Là-bas, Guerrier, on interdit... Tous les voitures. Le pied à terre et déposer tous vos effets personnels. Tous les effets personnels. De toute façon, tu vois tout autour de toi. Même le pantalon.
va être dur à déposer par terre. Oui, les gars, il est guérisseur, oui. Vous pouvez passer faire le tour. Discuter avec Guerrier Étoilé. Ah, pour de vrai. Merci, merci. Ce serait dommage. Eh bah écoutez, on prend note de l'avertissement. Belle. Puis bah advienne que pourra malheureusement, si on doit se recroiser sur les terres là-bas. Oui, il faut faire la sécurité ailleurs. Voilà, on va essayer, on va voir. Ça aurait été très intéressant que je mette par terre ma casserole et et mon bout de viande. Oui, moi j'ai un oiseau mort. Voilà, vraiment c'est vraiment pas le prestige. Ah j'ai. Bon, j'ai une arme ou deux sympathique. Hein, mais... Oui, c'est surtout ça. Hein. Oui. Ah, les Apaches normalement ils connaissent. Hein. Là c'est parce qu'ils sont masqués qu'ils font les. Ils se font pour des cow-boys. Ils font les voilà, mais ils savent très bien que. Ils font souvent des barrages comme ça. Mais là, je crois que c'est parce qu'il parlait avec quelqu'un, je sais pas de quoi, mais... Bah, il parle à 30, quoi. Bah, en même temps, les Apaches, ils se déplacent en... C'est vrai que à chaque fois, ouais. Chaque fois, ils arrivent en groupe. Mais pour le coup, non, j'ai jamais eu de problème avec eux, réellement. C'est plutôt sympa. Bah non, ils sont pas sympas. Vous voulez des loups, hein? Oui. Vous avez un pot de loups? Ah, pfff. Non mais ça va faire peur au cheval, non mais ça va, ça va. Mon cheval n'a pas peur des loups, enfin il a peur un peu mais il nous lâchera jamais. Dans les bijoux elle a toujours peur. Ouais. Bah après en plus il y a les Apaches derrière, s'ils nous voient flinguer les loups. Ouais et puis ils vont l'entendre, hein. S'ils le voient pas ils l'entendent. Ouais. On va dire qu'ils vous aiment bien, autant garder ça hein. Ouais. Au pire on les apporte vers Backwater. Oh j'aime bien ça. Ça explique pourquoi il y en a souvent. Ils vont arrêter de nous suivre de toute façon. Oui bah. Ah quoique. Ah mais calme-toi Nesquik, c'est des loups. Oh là là. Ouais, y'a pas. Ça aurait été marrant de revenir en arrière, de les ramener sur les. Sur les. Je pense pas qu'ils auraient rigolé. Mais... Non parce que ça aurait été vraiment prémédité. Là y'a pas d'excuse de rebrousser chemin. Ou alors on revient mais on crie. Oh non, à l'aide. Ouais voilà. Oui, puis ils vont bien y croire, le radio qui est terrifié par trois loups. Ça paraît super crédible. C'est vrai que... Surtout, je pense que je leur ai déjà donné pas mal de cœurs de loup. Ah oui, mais bon là... Parfois, hein... Vous avez déposé les armes, vous êtes pacifique. Enfin, non, pas littéralement, vous êtes... Ah bonsoir. Et voilà. Il manque un peu, il a quitté le pays apparemment. J'ai entendu ça aussi. J'ai entendu, j'ai appris tellement de départs que finalement... Bah ouais, Rosa et Jeffrey aussi sont partis. Mmh. Mais on discute un peu par Telegram, ils vont bien. Vous voulez un petit cougar aussi ou pas? Et un cougar ici? Ouais, il y en a un dans le coin ici normalement. Oh! La nuit, c'est la nuit que sortent les cougars. On voit les yeux qui brillent. C'est vrai en plus. Il a pas l'air d'être dedans. En tout cas les bêtes, elles sont pas affolées. Bah, étonnamment, les cougars affolent pas tant les bêtes que ça. Oula. Oh. Ah bah il est là. Bonsoir. Ouais. Ah non, c'est les loups ça. Ah, il y a des loups qui vous... Ah oui. Ah, vous avez appris vous... Non, je pense qu'ils sont... Non, je pense aussi. Morts, ils sont juste... Ouais. Morts non, debout. Je vais regarder, on s'en va. Il va les déposer debout. Debout et presque vivant quoi. Oui, oui, c'est ça. Et après, j'ai déjà vu des loups... Des loups écorchés vifs. Qui étaient debout? Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, j'ai déjà vu ça. Mais je pensais pas qu'on pouvait les dépecer quand ils sont dans cet état un petit peu de, non, de rigidité. Non, mais c'est parce que lui, voilà, il les voit pas comme nous. Ah oui. Ah, donc vous les voyez toujours. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, parce que quand on les voit comme ça, en général, nous, on peut rien en faire. Oui, non. Ouais, c'est ça. En général, ils sont pris par les sables mouvants très vite. Mmh. Bon, moi, un petit grizzly, quand même. Sur... Un grizzly, j'en ai jamais vu. C'est vrai? Oui, j'ai vu d'autres ours, mais pas des grizzlies. Vous voulez en voir? Ah, si je reste en vie, je veux bien. Alors, on peut... Techniquement, que je vous montre un grizzly et qu'à la fois je le tue pas, ça va être compliqué. Parce que, ah oui, non, moi, non. Je parlais surtout de moi, égoïstement, ah, et vous restez en vie? Oui, bah, si, on reste en vie. Lui, non, je pense. Vous allez en voir un gazi. Non, je vais descendre. J'ai une petite tanière à grizzly là sur le côté.
Et ça se tue facilement? Ou... Avec ce que j'ai dans la main, ça va. Attention, il faut que je laisse venir vers nous assez près pour pas la rater, justement. Il y a des loups. C'est l'honnête, pas trop. Hein. Il y a un ours. Ah, il y a des loups? Oui, il y a des loups, il y a des loups, un ours. Il y a des loups vers le cheval? Je crois. Je les ai entendus, mais je les ai pas vus. Ils sont où? Ils sont à droite. Par contre, ils ont pas l'air de venir vers nous, mais on les entend. Non, mais ils étaient vers le cheval, je les ai entendus. Faut pas que mon cheval se fasse becquer pendant ce temps-là. Quoi. Hmm. Bon bah ils sont plus là du tout. C'est un loup hein, que j'ai tué. Ah. Ah donc ils étaient là-bas. Il y avait un loup là-bas. Alors il doit pas être tout... Ah il est pas tout seul. Vous verrez peut-être mieux ici. C'est vrai qu'il faut que j'équipe, j'oublie tout le long. Je sais plus comment faire. Ah, j'ai un petit souci, j'arrive pas à... Ah voilà. J'ai pas de soucis. Il est mort. Oui. J'ai équipé mon arc. Il y en a un sur le chemin, en tout cas. Ouais, il en reste un, mais je pense qu'il se barrait parce que j'ai mis une balle. Mais, on n'a pas vu notre grizzly. Non. Mais je crois qu'on l'a entendu. Moi j'ai entendu une bête. Mais parfois c'est des cerfs qui vont le même bruit. Oui, parfois c'est des cerfs en rut. Qui brame. Alors souvent dans ce coin-là, il y a du grizzly. Les coyotes. Ils sont dans un état à la maison? J'aurais jamais vu celle-là. Mais c'était pas parlé fort, hein, y'a que nous deux. Oui, c'est vrai. J'avais jamais vu cette maison. Ah, c'est vrai, c'est un petit campement, y a des maisons écroulées là. Hmm. Je fais le PNJ de Minecraft. Hmm. Vas-y, va sortir en pleine forêt. C'est pas... non, c'est pas de quoi parlerait. Allez, vous voulez voir un grizzly? Attendez, je l'ai perdu de vue. Et s'ils entendent les balles avant, ça risque pas de les faire fuir? Non, non, les grizzlies, ils fuient pas. Mais si on n'a pas là... ils seront pas de ce côté-là, ils seront plutôt de l'autre côté, vers Manzanita. Oui, mais ce côté-là, il y a une belle vue. Ouais, c'est vrai. Surtout là, le lever de soleil, c'est joli. Oui. On est où ici? Bah, de l'autre côté. Ah, c'est le ranch McFarlane là-bas. Ouais, c'est ça. Et en bas, ouais, il y a des campements. Je sais plus où. Ouais, parce qu'il y a la cascade là-bas. Vous avez déjà vu la cascade qui est là? Je crois pas. Ah, là, c'est joli. Normalement, attendez. Oh, on a le droit d'aller là, c'est à toi le tri. Oui c'est ça, maintenant je sais plus, je sais pas trop où sont les limites. Vous inquiétez pas. On est très loin de là, on n'a pas le droit.
Yep là. Waouh. Waouh, j'ai la tenue Reduke alors j'y arrive super bien. Vous avez les bottes pour crapahuter? Oui. Et en bas, il y a les tribus qui viennent. Ça, je crois que c'était les ponies en bas. Ils sont ici? Hein? Les ponies, ils sont dans le coin? Bah, les ponies, ils sont en bas, normalement, je crois. Ah! Le banc est en bas. Ah, je savais pas du tout. Oula. Non. Après, je vais alors éviter de tomber. Je vous avoue que ça serait compliqué. Oui. Mais ah, c'est vraiment. Ah non, c'est très joli, mais très bruyant, je sais pas comment ils font. Bon, ouais, ils doivent bien entendre là-bas quand même. La distance où ils sont eux, c'est déjà un peu plus tolérable. D'accord. Ah, mais c'est chouette. Ouais. C'est sympa pour la pêche ici. Ah bah, ouais, c'est cool. Bon, faut avoir un long fil. Si descend la cascade, ouais, le bouchon. Il fait un fil solide quand même. Oh ça les filles résistent, ils pêchent des pierres. Oui, cette rivière elle est assez jolie. Quoi. Mais de toute façon moi j'aime bien cette rivière et cette forêt. Ouais, cet endroit est très joli. C'est juste dommage que des fois il y a des campements un peu dégueulasses. Ouais bah ça reculait en même temps. Je comprends oui. qu'il y a des clans qui s'isolent dans le coin. Alors non ça je... Non, ça. Non. Pas de lien. Avec des gars, bon. Quand on est loin de tout, vous savez. Oui, voilà, on s'amuse comme on peut. Oui. On mange des pieds. Y'a pas un petit grizzly là? Non, la dernière fois, on a essayé de pêcher un cheval. Ça a presque marché. Mais un hippocampe ou un vrai cheval? Alors. En fait, on a une théorie. Vu qu'on a réussi à pêcher des oiseaux. On a compris que les nouveaux hameçons, ils arrivent à pêcher tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Donc techniquement, si un cheval est dans l'eau... On m'a dit des trucs comme ça. On... Voilà. On a essayé. On n'a pas réussi. Mais c'était pas loin. C'est vrai que j'essaye, c'est quand même... C'est avec les... Avec les parcs. J'ai fait une petite session pêche. C'est lui qui m'en a parlé aussi. De pêcher les canards avec la canne à pêche. Oui voilà, bah, il en profitait pour apprendre à pêcher à du monde, à Prosper, mais aussi je sais plus qui. Ceux qui tiennent un saloon à Thief's Landing. On en a parlé aussi. Ah. Oh. Non c'est un cheval. Dommage. Et ça rapporte pas non plus le cosdi j'imagine. Oh, pas plus que le cougar ou les autres trucs comme ça. Oui voilà, c'est pas ce... Je veux dire que le danger ne vaut pas la... Salut Gaël. Ne vaut pas non, le prix qu'on vend la peau et les organes et tout ça. D'accord. Pas la viande. Oh, par contre, c'est assez joli. Hein. Ah, mais moi j'adore cette fois. Avec la lumière. Regardez. Mm-hmm. C'est beau. Ah, oui, non, c'est moi qui fais des. C'est un petit pont ventre qui gargouille, j'ai faim. Ah ouais, non, c'est trop beau ici. On n'arrive pas du tout à ton... Peut-être qu'il y a des chasseurs qui sont passés juste avant, c'est possible aussi, ça. Ah, c'est trop joli. Ouais, les raids, oui. Pourquoi? Et les grizzlies, ça cavale presque aussi vite que les chevaux. Hein. Ah. Enfin, pas à pleine allure, mais déjà un bon début de galop. Ah donc si on se fait surprendre, il peut le temps de galoper, il peut rattraper parfois. Il peut arriver trop. Ah oui, non, un cheval, il faut que le cheval soit pas trop fatigué. Ah oh, d'accord. Moi ça m'a déjà arrivé qu'il y en a un qui me course mon cheval était fatigué, j'ai pas eu le temps de le nourrir, il a rattrapé mon cheval m'a jeté par terre. Et j'ai pas du tout remonter sur un rocher.
pour pouvoir sortir mon arme et lui mettre deux balles à une extrémiste, quoi, même 3 ou 4, je sais plus. C'était vraiment... vraiment limite, quoi. Ils attaquent forcément. J'avais entendu quelqu'un qui disait qu'il savait bien s'y prendre avec les dés. Oui, alors, les gens qui m'ont dit ça, comme notamment Kai, se sont fait défoncer par des grizzlies pas très longtemps après, donc je vous avoue que... Ah mais oui, c'était pas. La petite Kai qui s'est... Oui, c'est vrai. Bon, j'ai rien dit. Parce qu'elle disait, oui, moi ils me font pas de mal, tout ça, et puis bon, je les ai deux fois, s'est fait éclater par des grizzlies. Ah ouais. J'avoue que... Il y a d'autres natifs qui m'ont dit ça aussi. Ah, quelqu'un qui fait un morpion géant. Oui, je sais pas ce que ça veut dire ça, mais c'est peut-être des traces de... Traces de charrette ou je sais pas. Oui, bon, par là, c'est pas très... Ouais. Pas très ragoûtant. Comme je vous disais, bon, la campagne ne justifie pas tout, quoi. Ah oui, j'ai pas vu ça. Oh. Ah, mais encore ici, ça va. Hein. Oh. Y a du sang partout. Ou alors ils ont beaucoup de craies rouges. Oui, non. Mais... Alors, il y a d'autres campements, on voit d'où vient le sang. Hein, donc, ça... Mais on est vraiment dans la forêt des cannibales, là ? Ah oui, oui, c'est... Y a des gens qui font des rituels bizarres. Hein. Vous savez où ils sont, au moins ? Vous savez où il faut pas aller ? Mais je crois que c'était... Ils sont pas souvent là, mais... Je les ai jamais croisés en tout cas. Bon, après, s'ils viennent, j'ai de quoi les recevoir. Hein. Mais c'est pas vous. Cannibalise-moi ça. Attendez, que j'ai rien là-bas. Non, c'est un rocher. Oui, ça bouge pas beaucoup là-bas. Non, mais il y en avait un plus haut là-bas, on aurait dit un cul d'ours. Ah oui. Ah oui, d'accord, je vois lequel. Bah oui, oui. Oui, je vois. Je me suis méfié. Surtout qu'on arrive près de la cabane où j'ai tué un grizzly. Donc, Oh, mais chouette cette cabane. Il peut être dans le coin. Ouais, elle est très bien cette cabane. Elle est dévastée à l'intérieur aussi ou... Non, elle est bien, mais le problème c'est qu'elle est achetée donc... On peut pas trop regarder l'intérieur là. Enfin, vous pouvez voir, il y a des fenêtres. Non, c'est une maison, ça doit être un écrivain qui habite là, je pense. On voit à l'intérieur, il y a un bureau avec plein de choses écrites. Mais je viens jamais par ici, je découvre plein de choses. Bah, je suis content de vous faire découvrir des choses. Ah oui, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de traîner trop ensemble. Non, on a fait du souffre. Bah oui, à chaque fois on s'est croisés, c'était pour aller à gauche, à droite, machin. Oui. C'est vrai que là je suis revenu, j'ai ni famille, ni enfant. J'ai du temps, j'ai tout perdu, j'ai du temps. Non, j'ai pas perdu ma fille. C'est terriblement dit. Ouais. Ah merde, le soleil est un peu dans l'autre sens. Regardez, vous pouvez voir un peu par là. Il y a une autre fenêtre là. Ouais. Ah oui. Ouais, on dirait un monsieur ou une dame qui écrit beaucoup. Bon après. Elle est sympa, mais il faut arriver jusqu'ici quoi. Oui, c'est ça, c'est pour monter les courses, c'est pas terrible. Je pense que si elle était à vendre, je la prendrais. Ouais, parce que ce coin-là est tellement joli. Parce que j'aime quand même cette forêt, une petite cabane comme ça, rustique, ça me correspond pas. Avec moi, j'ai une maison déjà, mais... elle est moins au calme. Ouais. Vous avez déjà vu ma maison ? Je sais qu'elle est à Blackwater et je pense voir laquelle c'est, mais je l'ai pas vue vraiment. Blackwater. Ouais, c'est celle qui a des cheminées. Elle a pas mal de cheminées. Bon, en vrai, elle est au calme aussi. Hein. Honnêtement. Oui, c'est pas celle qui est prête. Directement. Oui, non. D'accord. Alors, je vois peut-être. C'est pas celle qui est. C'est pas une qui est collée à la ville. Il faut. Il y a une petite vingtaine de mètres, quoi. Une petite cinquantaine de mètres. Mais je suis pas sûr, faudrait que je vois. Bah, je vous la montre. Parle bien de la maison. Évidemment. La grosse maison. Hop, voilà. La grosse maison bien vide. Bah oui, maintenant. Bah ouais, bah à la base j'avais pris, on était trois. Hein. Déjà, ouais. Elle était grande pour trois.
Mais bon, on se disait quand il y a des amis qui viennent. On savait pas, vous restez là à dormir là. Oui, elle était à vous, elle était pas à Daphné. Oui, non, c'est moi qui l'ai acheté. Ok. Oui, sur le coup, j'ai une rentrée d'argent et je me suis dit, allez, coup de tête, j'achète une maison. Bon, je me doutais qu'elle allait bien l'aimer quand même. Bah, surtout que, oui, c'est... En plus, elle est plutôt bien placée, elle est... C'est quand même... Ah, oh. Attendez, bougez pas. Oui. Ça, c'est plutôt rare. du coup, je le fume. Vous êtes bien un être humain. Il n'y a pas beaucoup, il est comme ça. Faut les protéger quand on n'a pas besoin de leur tirer dessus. Ah bah il est tombé. Mais il est tombé en plus, c'est surtout ça, c'est quand j'ai vu tomber misérablement. Mais non, vous allez voir. C'était assez drôle. C'est un grand duc, vous avez déjà vu un grand duc? Ah, c'est ça. Je me suis dit que c'était une chouette. Oh, ah oui. Oh, oh, il est énorme. On parle bien de la chouette, bien sûr. Mais il y a un moment c'était pas mal recherché ça. Hein. Non, mais maintenant vous pouvez rien en faire. Ils volent que la nuit. Bah si si, les plumes. Les plumes un peu de chair. Hop, regardez, on respecte voilà. L'animal. Hop. Optimisé. Non mais parce que vous voyez pas, mais j'ai fait beaucoup de choses en fait. Oui oui, je sais. Vous allez y prendre pour en prendre. Mais c'est vrai que oui. Mais bon. Genre, on prend deux plumes et puis on jette le bordel. C'est un petit peu ça, oui. Ça se fait bien. Oh, ça fait ça avec un peu toutes les bêtes. Hein. Oui, oui, oui. Soufre, fer, métal. Je sais pas si vous avez déjà essayé les tortues. Les grosses oh, tortues. Ah oui. C'est vraiment genre on l'ouvre, on prend un petit bout de viande dedans, oui. On jette le. On jette oui, 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 c'est vrai, on jette tout. Eh, j'avais vu ça, on avait chassé et pêché dans le bayou, c'était pas trop mal. Ouais, parce que bah entre les crocodiles non, qui sont pas très vives, pas très oui, vivaces. Ils sont pas, ouais. Au début on a peur et puis quand bah, on les connaît on a plus trop peur. Je pensais vraiment pas que l'arc pouvait transpercer leur peau. Si, donc quand ouais, j'ai tué ça, bon bah c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus simple. Ouais. Tu sais avec l'arc vous pouvez tuer à peu près n'importe quoi. Mais oui. Même les bisons. Ah les bisons, ah mais oui c'est ce qu'il m'avait dit Prosper. 4 flèches. Alors, 3 flèches la plupart du temps, vous attendez qu'ils tombent si vous voulez. 3, mais c'est pas beaucoup. Mais 4 flèches sûres. 4 flèches c'est sûr, mais. Bah c'est pas beaucoup. Après, pas par rapport à la taille de la bête, hein. Oui, 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 bien sûr. Souvent les crocodiles. Enfin les alligators plutôt. C'est souvent plutôt 4 ouais. Flèches. Que vos. Ouais. Je me rappelle pas d'une fois. Ah, c'est peut-être une fois ou deux, mais maximum. C'est les grizzlies, quand on les cherche, on les trouve pas. C'est incroyable. Parce tu que me vois pitié là. J'en fais trop peur. Et dans le bayou, j'ai pêché un esturgeon. Ah ouais, c'est gros les esturgeons. Ouais. Ils sont gros, mais ils sont beaucoup plus rapides voilà, à ramener. Voilà, attention, attention. Oui. Il aura la vie sauve. Oui, bah. 2 balles dans le corps, quoi. Ça dit, cavale bien, je trouve, avec 2 balles. Oui. J'en ai jamais vu, j'ai peut-être une aura. Non, mais je me rappelle, à chaque fois que je veux montrer un grizzly à quelqu'un. Dans le Mont Rouge, là-bas. J'en trouve pas. Oui, parce que oui, il doit y avoir encore un petit peu des trucs. Mais c'est vraiment glauque. Bah, c'est ça qui est dommage avec cette forêt, un petit peu. Donc, il y a 2-3 endroits comme ça. Oui, c'est parce qu'il y a la. Il y a la carriole là-bas. Attendez, je regarde un peu. Ah oui. Ah, mais il y a encore du sang là-bas. Bon, je cours un peu plus maintenant parce que bon. Et peut-être même le même d'ailleurs. Je sais pas comment être. On a tourné. J'ai reconnu le morpion au sol. Ah mais oui, ah non, mais c'est ça. C'est par là-bas que je voulais vous... Voilà. En fait, c'est la terre mélangée au sang. C'est ça, les traces. Oui, c'est ça.
3 heures dans l'ombre. C'est sûr, ça va jaser Armadillo. Ah. Ouais, ça va être marrant, ça va être marrant. En plus, on est dans la finesse, alors. Ton noir déjà, non? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai vous avez déjà vu un ours noir. Les ours noirs, oui, ça va. Ils fuient en plus souvent. Oui, oui, ils sont assez peureux les ours noirs. J'en ai vu quand je pêchais et bon. J'ai pas bronché, il a pas bronché non plus. Ah, je vous ai suivi. Ah. Ça va? Super. Pardon, je pensais vraiment que ça glissait pas autant. Pas grave, j'ai mon armure. Oui, parce qu'il pleuvioui un peu. Oui, on a glissé. Pleuviote. Il pleuviote. C'est le grizzly qui vous chasse. Allez, on va trouver quelque chose. Peut-être que dans cette forêt là, il y a un grizzly qui est en train de chercher des humains. Il se dit tiens, chaque fois que j'en cherche, j'en trouve pas. Des mouflons, des machins, il y en a partout là. Non mais le grizzly t'inquiète, avec Red Duke y a pas de soucis. Hein. On connaît les grizzly Red Duke. Hein. Ça va, on est toujours dans une zone où on a le droit. Oui. D'accord. Oui, de toute façon y a pas... Parce que c'est quoi la délimitation exactement? Enfin exactement, juste, plus ou moins. En vrai c'est... Oui, il y a tout Big Valley. Oui voilà. D'accord, oui bah j'imagine la route qui encercle le Big Valley. D'accord. Et la rivière au-dessus aussi alors? Ouais, l'hydroélectrique tout ça. D'accord. Il y a des fermes là-bas mais les gens qui habitent là-bas ils ont le droit de... Apparemment ils ont le droit d'y aller quoi. Oui bah ce serait... C'est gentil de leur part. Bah ouais, c'est pas plus long, parce que c'est compliqué, ça. J'ai peur. C'est déjà une bonne passerelle. Non, mais inquiétez pas, Grizzly. Bah, ça m'énerve à chaque fois. J'ai envie de sentir un truc de farceuse. Désolé, hein, du coup, c'est... Oh, mais vous saviez, vous étiez pas obligé d'inventer le prétexte du grizzly pour vous isoler avec moi, enfin... En plus, je suis armé, donc bon. Je parle toujours nu. Il y a deux ours noirs. Un à droite, un à gauche. Ah oui. Non, mais... Attends, il n'y a pas que ça. Si. C'est gênant, ça va, c'est le but. Hein. On a trouvé un yaourt. C'est ours. Ah, quand même. Là, deux ours au même endroit, hein. Un petit couple, un joli petit couple. On a interrompu un truc. Hop, un joli petit couple. Et les grizzlies, ils attaquent les autres ours parfois. Je suis sûr. Bah, je vous avoue, j'ai jamais vu un grizzly aussi près d'un ours. Déjà, c'est la première fois que je vois deux ours noirs aussi près l'un de l'autre. Oui, c'est vrai. Mais les grizzlies sont beaucoup plus gros. Bah, c'est ce qu'on m'a dit, moi j'ai encore jamais vu, mais c'est ce qu'on... Bah ouais. Ouais. Quand on m'en a parlé, ouais. C'était une armoire. Bah, le coin où je vous ai emmené, normalement, il y en a très souvent.
Les deux, trois dernières fois que je suis venu en chercher, j'ai trouvé à tout coup. À tout coup. À tout coup. Et là, évidemment, quand je veux monter... Une zone d'accouplement. Ah là, je crois que c'est un petit camp... non, c'est pas un camp spécifique, un camp sympathique, là. Ah, si, je crois. Il y a des trucs, oui. Ah, oh là, il y a des trucs, là. À moins qu'on ait encore tourné en rond, mais ça a pas l'air d'être le cas. Non, normalement, ici, non. Attendez, ça. Sympa, là. Vous êtes sûr d'être très sensible. Ah oui, Ah, ça a passé un bon samedi soir. Ah oui. Pour ramasser leurs détritus, quand même. Ouais. Minimum. On ramasse après manger. Mmh. Ah oui, non, effectivement, là. On a vu un corps là-bas. Des trucs écartelés partout, tout ça. Je sais pas ce qu'ils foutent exactement. Mais... Je sais pas, un méchoui. Ouais, je sais pas, mais j'ai pas très envie de passer les soirées. J'ai pas envie de les croiser. Hein. Ouais. C'est des cheveux sauvages, ça? Ouais, je crois. Après, il y avait... Oui. Oh, parce que vu qu'il y a un petit camp, oui, c'est ça. Ouais. Non, je crois pas qu'il y ait de gens qui habitent ça, dans... Ça, c'est un ours noir, non? Comme ça. En face de vous, derrière un tronc, il y a une grosse bébête. Là, là? Alors, à gauche. Vous l'entendez? Il l'a pas vu! J'ai vu se faire attaquer, moi! Ah, terrible! Mon premier coma! Il l'a pas vu, en fait. Il était dans ma truc et pas dans la sienne. Putain, il y a un grizzly invisible. C'est le super animal. Eh bah merde. Je l'ai bien vu, moi. Dites rien. Non, non, non! Faut pas que je soulève! Je suis con! Eh ben, désolé, bah du coup, bon, on va attendre un docteur, putain. Et j'espère que le docteur ne va pas le voir. Ah, j'espère que... Merde. Désolé. Ah là là là. Bordel. C'est une super balade. Je vous avoue que j'ai pas encore la capacité de tuer les choses que je vois pas. Oh bordel. Je monte la garde. Aucun fantôme ne... Coupez. Gardez vos forces. Gardez vos forces. Moi, je le vois mort, moi. Non. Et puis, oui. Ça va être si le docteur voit un grizzly, bah, il le tuera. Il va me voir tranquillou à côté d'un grizzly. Eh oh ! C'est moi. Ouais, mais bon, Madame Duin. Oh là là, vous êtes dans un piètre état. Mais moi, je le vois. En fait, c'est pour ça que je parlais. Je vois. Je voyais aussi à terre en train de parler. Du coup, bah, je me disais, bon, bah. Bordel. Mais là, il est pas à terre, si? Si, peut-être, hein. Je veux pas tourner la caméra. Vous êtes en sang, en train de vous vider, en train d'avoir votre vie défilée, mais on en rira un jour. C'est mon premier coma! Et c'est mon premier coma! C'est mon premier coma. Ah, je
j'entends du galop. Ça fait depuis début septembre. Premier coma le 2 novembre. Franchement, ça va. Après, je joue pas tous les jours. Il y a peut-être un grizzly que je vois pas. Parce que... Ouais non, il est pas à terre. Bah oui, c'est pour ça. Que je voyais pas. Ok. Madame, vous m'entendez? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? J'ai pas eu le temps de trop comprendre, mais je sais qu'il y avait un grizzly. D'accord. Il est peut-être dans le coin. Hein. Je ne le vois pas non plus. Si vous le voyez, pointez-le du doigt ou... Oui, parce que là... Ça expliquait votre réaction, alors. Ma non-réaction, oui. Oui. Venez avec moi au cabinet, je vais vous emmener. Vas-y. La note auquel. Ah, Blackwater. Blackwater, oui. Vous avez dit quoi? J'ai dit Blackwater, pardon. Venez, madame. Ah, faut que je fasse une émote. Merci. Ouais, effectivement, ça va pas bien puisque je vois aussi monsieur Duke Adair. Donc, il y a un petit souci. Ça va, vous supportez le trot? Oui, ça va. Vous me dites si ça va pas, je ralentis. Hein. Je sais pas, j'ai un peu du mal à comprendre mes sensations, je vous avoue. D'accord. Vous savez me dire où vous êtes blessé, plus ou moins? Oui, ça va être... il m'a attaqué au niveau de... du haut de l'épaule droite, la nuque. D'accord. Il m'a mordu, là. Mais ça fait chaud, là. Il vous a mordu? C'est pas mal tout de suite. Ah, comme ça, ça va. Il vous a mordu, vous m'avez dit? Oui. D'accord. J'ai mes alertes. Non. Merci beaucoup. J'ai mes alertes, je savais pas, désolé. Visiblement, il n'est plus là. Oui, j'ai essayé de faire en sorte qu'il attaque pas Monsieur Duke. Mais bon, bah vu qu'il le voyait pas. Ah oui, d'accord. Merci Mavisco, salut Bibok. Je vais cacher mes alertes, j'ai pas fait attention. Ça fait trop longtemps. Hop. Voilà, il n'y aura plus le son des alertes. Il y aura les alertes, mais pas le son. Merci beaucoup, salut à tous. Voilà, on y est presque. Ils sont pas bien. Bienvenue à tous, c'est Ritter, merci beaucoup. Je désolé, je viens de me faire attaquer par un grizzly. Alors. Hop. Venez avec moi, madame. Ouais, bon, je me tiens la mauvaise épaule alors. Alors, asseyez-vous. Est-ce que je peux avoir votre prénom et votre nom? Denise Duval. Buonasera, ici quelqu'un. Oui monsieur, mais je suis occupé pour le moment. Je parlais pas trop fort. Ah, non. Quelqu'un. Ah. Ah c'est ok. Un instant. Ça RP ici, oui tout à fait, merci beaucoup. Vous savez me montrer c'est quelle épaule, la gauche, la droite? J'ai dit à droite tout à l'heure, mais c'est à gauche en fait, je me suis embrouillé. Oui, c'est à gauche. Okay. Je crois, hein. Alors... je sais plus. Un instant. Alors c'est surtout mon coup de patte qui m'a, je crois, assommé, mais je sais qu'il a refermé un moment sa mâchoire sur moi, je sais pas à quel point. Ok, vous savez me montrer votre épaule?
Alors. Hop, faut que je... J'enlève mes vêtements. Je sais plus comment faire. Je vais déjà désinfecter mes mains. Voilà. Voilà. Alors, ah oui, en effet, il y a une morsure. Bon, il n'y a pas de chair arrachée, je vois bien une plaie. Ok, elle est un peu profonde, ça va nécessiter des points de suture. Allez, quand même. Oui, ça me semble logique. Je vais nettoyer la plaie. Alors. Mais je suis un petit peu sonné. Oui, je comprends, c'est normal. C'est l'adrénaline aussi, hein, le contre-coup. Alors, je nettoie la plaie. Voilà. Bonne nuit Grisou, merci beaucoup pour le raid. Est-ce tout que à vous fait. Voulez en RP. Un morceau de cuir pour mordre dessus parce que quand je vais désinfecter, ça risque de faire mal. Ah, oui. Ok. Ah, s'il vous plaît. RP morceau de cuir. Oh, fou. Oh merde. Alors, attention, je vais désinfecter. J'y vais à 3, 1, 2. 3, hop, voilà. Je me dépêche, je sais bien que c'est douloureux. Et encore ici, voilà. Ok. Ah, je le sens bien là. Alors, vous avez les marques des dents et vous avez une plaie plus sur l'avant de l'épaule. Donc, au niveau des marques des dents, j'ai désinfecté. Je vais mettre un onguent cicatrisant, ça devrait suffire. Mais où il y a la plaie, je vais devoir recoudre. Oh, super. La reconstruction. Il allait super vite, le médecin, non? Je vais m'évanouir. Allez, je vous mets l'onguent cicatrisant. Ah, bonjour. Oh, bordel. Hop. Mais pourquoi tu regardes, toi? Oh, bordel. Hop. Madame, mettez-vous juste ici. Venez, venez. Si, il y a trop de monde. Ah. Ok, alors, maintenant, je vais devoir recoudre. Mettez-vous sur la chaise juste ici. À mon avis, je vais devoir mettre au moins 3 points. Oh. Alors, je vais y aller, attention. Je resserre les chairs. Bon, c'est bien. Pique le premier point, hop. Ah, ça va aller. Je passe au travers. Je tends et je fais un petit nœud. Hop, enlevez juste. Enlevez juste. Ouais, je suis désolé. Plus deuxième point. Tu l'as fait bien ou pas? Hop. Je tends bien. Et je fais le petit nœud. Ok, très bien. Je vais et le troisième point. On sait jamais. Je sais pas si c'est propre, etc. Hop. Attendez. Et le petit nœud. Alors, désolé si je bouge l'épaule, mais c'est un peu. Je redésinfecte. Pas forcément là. Attendez, ça va aller, ça va aller. Je redésinfecte, j'ai presque fini. Voilà. Allez, et je vous mets un pansement. Ouais, non, ça va aller, ça va aller. Sur les sutures. Merci beaucoup, ma nettoyé la plaie déjà. Et voilà. Voilà. Ah, ça tire. Donc, oui, c'est normal. J'ai chipoté dedans, c'est normal. Voilà. Bonne nuit et merci je beaucoup. Vous aider désolé, vous hein, voilà, j'ai pas pu. Je m'en occupe. Hop. Je vais pas avoir le choix que de recoudre. Là, il y a facilement deux points de soudure pour la plaie. Ouais, j'ai pas le choix, ça va être à vif, madame. Non, bougez pas. Je vais vous mettre un bâton merci dans la bouche avec un morceau de coton autour. Ça va. Vous allez serrer fort. À passer les bras dans les manches. Plaisir, mais oui. C'est pour votre bien-être. Ok, voilà. Parfait. Alors, vous évitez d'aller dans l'eau avec la plaie. Voilà. Oui. Vous allez également surveiller que dans les 15 prochaines minutes, vous n'ayez pas une montée en température ou un écoulement qui se fait au niveau de la plaie. Normalement, j'ai bien désinfecté, donc vous ne devrez pas avoir de soucis. D'accord. Et si vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là, au niveau des symptômes, vous pouvez enlever les fils demain. Demain, d'accord. Ouais, ça va. D'accord, merci beaucoup. Essayez de rester un peu haut des 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Après, ça devrait être bon. Je vais aller m'asseoir un petit peu. Le coton. Ça va. Ça va, bah je vous remercie beaucoup. Mais de rien, madame. Ouais, ouais, c'est normal. Je sais plus comment. Alors, je vais compléter votre dossier médical. Ah oui. Hop, je fais une compression. Je vais vous appliquer aussi un bandage pour pouvoir vraiment avoir la plaie qui s'en. Vous me direz combien je vous dois aussi. Et éviter aussi. C'est 3 dollars, madame. 3 dollars. Je sais pas. Okay. Non, c'est pas là. Je perds mes réflexes. Hein. 3. Voilà, je vous mets un bandeau. Hop, levé. Voilà. Essayez de lever un peu les bras, comme ça je peux bien le serrer. Voilà. Bon, je peux. Hop. Allez, je m'assois. Heureusement qu'il l'a pas rentré en moi, je m'aidais pour boire, moi. Trop sympa. Plus de ce mois.
ouais. Et voilà. Vous avez été très rapide, j'ai l'impression. Alors je vous ai mis, je vous ai mis 4$. Oh, mais il fallait pas, c'est bien gentil. Bon, je donne bien les pourboires à des hausses des serveurs. Je peux bien donner au médecin. C'est gentil, merci beaucoup. Bah, vous savez, Blackwater à Tall Trees, on est assez rapide, hein, ça va vite. Oui, c'est vrai. Mais j'avais. Vu qu'on a marché longtemps. D'accord. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, soyez prudente. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, madame. Bonne soirée. Ouais. Ah. À l'intérieur, mais... Bonjour. À part faire des petits... Ah bah alors. Madame Denise. Regardez qui j'ai trouvé. Ah oui. Oh. Attendez, je crois que... Je crois qu'il va falloir que j'aille me reposer. Ah. J'ai pas repris mes esprits, je crois. J'arrive tout de suite. D'accord, d'accord. Ah. C'est le sirop. Je vais me mettre là, je vais me reconnecter là tout de suite. Parce que là, ça va pas du tout. Attendez. Hop, hop, hop. Je vais quitter complètement. Je vais pas reload. Je vais quitter. Je voyais Red Duke comme ça. Ça va pas. Né pour voir Grizzly ferme. Ah, c'est. Bah non, mais c'est que. C'est qu'en fait, je voyais pas son. En fait, le skin de Red Duke, moi, je le voyais plus normalement. Du coup, j'aurais vu se téléporter. Donc voilà. Ils font des typos au Far West, c'est exactement ça. On va arrêter la VOD là-dessus. Et je vais en lancer une après. Bisous.